Il n'y en a pas. C'est le temps des déclarations de députés. Député de Dufferin-Caledon. Monsieur le Président, c'est un plaisir d'accueillir des représentants de l'Association de l'Ontario pour la schizophrénie. Cette société est le plus grand organisme de santé à but non lucratif et caritatif en Ontario. La schizophrénie est une maladie mentale traitable mais sérieuse qui est très importante puisque le taux de suicide chez les gens qui souffrent de schizophrénie est entre 4 et 10 % La société les aide avec des programmes et services qui aident les familles, les aidants naturels ainsi que les personnes qui en souffrent de schizophrénie d'avoir une meilleure éducation sur cette maladie. Il y a 8 ans, au cours d'un comité spécial sur la santé mentale et les toxicomanies, nous avons entendu une déclaration de la Société de la schizophrénie de l'Ontario. Les problèmes qu'ils ont soulignés à l'époque sont toujours des problèmes en Ontario pour ceux qui cherchent des traitements en santé mentale. Toutefois, les efforts de cette société peuvent être vus comme le fait qu'il y a un consensus politique sur le fait qu'il doit y avoir de meilleurs services pour ceux dont les familles et les êtres chers vivent avec la schizophrénie. J'aimerais féliciter cette société pour leur travail, de leur militantisme et leur défense des gens qui souffrent de schizophrénie. Merci. Député d'Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Depuis trop longtemps, la population d'Hamilton Mountain, comme beaucoup d'autres à l'échelle de la province, ont dû endurer un déclin dans les services de soins de santé, que ce soit dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, les soins à domicile. Ils ont vu leur école tomber dans l'oubli avec moins de rénovation et avec des coupes au personnel. Il y a de la difficulté à payer les factures d'électricité, de la difficulté à payer les services de garde qui augmentent en flèche. Ceux qui bénéficient des plans ont dû trouver de l'argent pour obtenir des soins dentaires ou pour payer leurs médicaments d'ordonnance. Beaucoup trop n'ont pas le choix que de s'en passer. Et les parents regardent leurs enfants souffrir parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les soins nécessaires. Ils doivent se battre bec et ongles pour obtenir des services comme par exemple pour les déficiences intellectuelles et pour les soins en autisme. Voilà l'héritage des gouvernements conservateurs et libéraux. Avec notre programme électoral qui a été dévoilé hier par notre chef André Horvath, j'ai vu un message d'espoir, un message positif. On n'a plus à changer entre mauvais et encore pire. Dans 7 semaines, les Ontariens et Ontariennes choisiront un nouveau gouvernement et je suis fière qu'au cours de cette élection, ils auront le choix de se faire représenter par quelqu'un de différent. Ils peuvent faire un changement pour le mieux. D'autres déclarations de députés, député de Beaches-Est York. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de prendre la parole et de parler d'un investissement très important qu'a fait ce gouvernement hier avec l'élargissement et la modernisation d'une usine dans ma circonscription. Depuis 1950, Peak Frames appuie les producteurs de blé et en plus, cette usine est un employeur très important dans la circonscription. Elle fonctionne 24 heures sur 24. Et ils aident à faire les biscuits tels que Chips Ahoy, les Oreos, les Foggio. Lorsque vous passez à côté de cette usine, vous pouvez sentir les bons produits qu'ils font. C'est une usine qui a bénéficié du Fonds de la prospérité et de l'emploi et cette utilisation des fonds qui leur permettra de produire de nouveaux produits tels que le Oreo mince. Et il y a aussi 132 millions de dollars qui ont été dépensés afin de nous assurer que chaque dollar que nous investissons dans cette industrie se décuplera avec leur investissement. Dans les mots de Juan Carlos Rodriguez, ça aide à faire un progrès vers l'excellence manufacturière et de montrer nos produits qui continuent à être importants dans la province de l'Ontario. C'est une belle façon de créer l'équité et des possibilités et de mener la puissance, le moteur économique ici dans la province. Merci.
Votre déclaration, député, député de Huron Bruce. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu la possibilité d'aller à l'ouverture d'une exposition de Hallmarks for Humanity dans le centre culturel de ma circonscription. Cette exposition était extraordinaire. J'ai apprécié les couvertures et tout particulièrement les histoires qui étaient présentées. J'ai apprécié l'air et le sens de la collectivité qu'ils représentent. L'histoire était incroyable. Au cours du 19e siècle, les courtes pointes étaient utilisées pour faire des levées de fonds. Et plus tard, dans le 20e siècle, au cours de la guerre, la Croix-Rouge avait des bénévoles qui envoyaient des courtes pointes aux soldats de l'armée. Ceux qui avaient travaillé sur ces courtes pointes étaient brodés sur la courte pointe et donc chaque courte pointe avait des histoires très uniques. Il y avait la courte pointe Colerice qui était exposée et je dois vous raconter, c'est vraiment la plus belle courte pointe de cette exposition. Elle a été envoyée en 1918 en Angleterre. Les noms qui étaient sur la courte pointe étaient Cassidy, Hollenby, Armstrong, Paddington, Milton, Millen, je devrais dire, Grant, Gillies, et évidemment Thompson, juste pour en nommer quelques-uns. Et sérieusement, Monsieur le Président, tous les noms que je viens de mentionner, en plus de beaucoup d'autres, continuent de s'établir chez Tealswater. On montre que vraiment de bonnes choses peuvent provenir de l'Ontario rural et j'en suis très fière. Député de London Fanshawe. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais partager un événement qui s'est produit à London et c'était dimanche dernier. Il y a eu les prix de la musique Jack Nickerson qui ont honoré les artistes locaux. Ces prix de la musique montrent les incubateurs de la musique qui montrent notre patrimoine musical riche. C'est une façon de reconnaître les producteurs de musique d'aujourd'hui, d'encourager la prochaine génération de musiciens à continuer son travail. Les prix incluent, entre autres, les nouveaux nommée au Temple de la renommée de ce festival. Je suis très fière du talent que nous avons à London. Ils travaillent de façon acharnée pour leur réussite. Il y a une atmosphère toute particulière au cours d'événements tels que ceux-ci où les gens se rassemblent et vous êtes honorés par vos pairs et par votre communauté. Ces artistes racontent l'histoire de la musique de notre collectivité. Ils partagent leur voix avec le monde. J'aimerais les remercier de le faire. J'aimerais aussi remercier ces prix pour prendre le temps de reconnaître les musiciens qui travaillent dans notre collectivité. C'est important de nous assurer qu'il y ait une scène pour l'expression de ces talents. Ce sont eux qui racontent les histoires et ils enregistrent notre passé, notre présent et notre futur. Et c'était vraiment toute une belle journée. Député d'Etobicoke Centre, merci, Monsieur le Président. Mes grands-parents ont immigré au Canada de l'Europe de l'Est après la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'étaient pas Polonais, mais comme beaucoup de Polonais, ils ont fait face à beaucoup d'oppression sous l'Union soviétique. Ma grand-mère a fait face à la persécution, au génocide. Ses trois frères ont été tués par la police secrète soviétique. Ma grand-mère avait vu l'horreur de ces crimes, mais ce qui l'a dérangé le plus, c'est que cette vérité n'a jamais vraiment été dite. Le massacre de Katyn est un de ces crimes. En 1940, plus de 20 000 citoyens polonais ont été assassinés sous les ordres de Staline. Il s'agissait de civils, mais aussi de soldats. Staline voulait décapiter la nation polonaise. Katyn est tombé au communisme et encore aujourd'hui, cela demeure une blessure très profonde pour les Polonais à l'échelle mondiale. En 2010, alors que j'ai célébré l'anniversaire du massacre de Katyn, plusieurs personnes ont perdu la vie en raison d'un écrasement d'avion. Ces tragédies se demeureront notre esprit à jamais. J'ai déposé une motion la semaine passée afin que l'on reconnaisse le massacre de Katyn comme étant un génocide contre les Polonais et ainsi nous serons en mesure d'honorer la mémoire de ma grand-mère afin que la redevabilité soit apportée sur ces victimes. Nous voulons faire justice à la mémoire des victimes. Député de Thornhill.
Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée où on se rappelle des forces israéliennes qui ont perdu la vie. On se rappelle aussi les membres canadiens du Mahal, qui sont des bénévoles d'ailleurs, qui ont donné leur vie en 1948. Non, ce ne sont pas tous ceux qui étaient juifs. Harvey Cohen et Andrew Gelch de Toronto, Ruben Schiff et Sidney Rubenoff, Sidney Leisure de Toronto, Leonard Fitchett de Vancouver, Ralph Muster de Vancouver et Wilfred Cantor, un pilote de Toronto, Willie Fisher, un navigateur de Winnipeg et Fred Stevenson, un copilote de Vancouver. Ce soir, à la synagogue de Toronto, nous allons avoir un événement commémoratif. Ainsi, et M. Cole du gouvernement sera présent, ainsi que James Pasternak, le conseiller municipal de Toronto. Et jeudi, il y aura aussi une levée du drapeau ici à Queen's Park avec le consulat de l'Israël. Nous allons célébrer 70 ans depuis la guerre d'indépendance d'Israël et tous les accomplissements dont nous profitons ici aujourd'hui avec les téléphones intelligents qui nous sont retirés parfois et avec l'innovation. J'ai donc très hâte de voir plusieurs députés de l'Assemblée jeudi et j'espère que la température s'améliorera et j'espère qu'il ne faudra pas se rendre à Israël pour voir un peu de soleil. Merci. Député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour saluer la Société de la schizophrénie de Queen's Park, de l'Ontario qui sont ici à Queen's Park. Nous avons eu de bonnes conversations sur le bon travail qu'ils font. Pendant 40 ans, cette société a été le plus grand organisme de santé à but non lucratif qui est de la province qui appuie les collectivités et les membres de cette communauté qui souffrent de schizophrénie ou qui connaissent quelqu'un qui en souffre. On aide les hommes et les femmes, il n'y a pas de discrimination. Les schizophrènes peuvent avoir une certaine certains problèmes mentaux, ils ont une vision erronée du monde et alors que la schizophrénie est bien connue, on sait qu'avec les bons traitements, avec les bonnes aides, il y a une façon de traiter cette maladie et il y a une manière d'améliorer les soins à ces personnes qui souffrent de troubles mentaux. Dans notre budget, nous avons annoncé le plus grand investissement dans l'histoire canadienne en santé mentale et en toxicomanie, un investissement de 4 ans de 2,9 milliards de dollars qui recadrera le système afin d'avoir de meilleurs soins intégrés. Malgré le bon travail de la société, cette condition est toujours très marginalisée. C'est pourquoi il est important de travailler avec la société afin d'éliminer ces oui-dire qui entourent cette maladie. Je suis heureuse d'avoir rencontré Manesh Dama et les militants et membres de la société Chris Whitaker. Bienvenue. D'autres déclarations. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Merci. Je prends la parole pour parler du diocèse de Pembroke, une autre demande de conscience qui envoie des lettres qui se sont rendues à mon bureau au cours des dernières semaines. Ces commettants s'inquiètent du projet de loi 84, l'aide médicale à mourir, qui a été adopté par les libéraux l'an dernier. Et ils croient, comme moi, qu'il devrait y avoir un droit de conscience pour les travailleurs de la santé lorsque l'on parle d'aide médicale à mourir. Et cette loi ne leur permet pas de le faire. Ils ont aussi souligné le manque d'accès à de bons soins palliatifs ici en Ontario. Et voilà la raison pour laquelle moi et mes collègues avons voté contre ce projet de loi l'an dernier lorsque les libéraux ont décidé d'inclure nos amendements qui auraient fourni des droits de conscience. Je crois que lorsque le gouvernement a adopté cette loi similaire à celle de l'Alberta, les patients de l'Ontario seraient en mesure d'obtenir des services alors que les fournisseurs de services pourraient maintenir leur droit de ne pas participer en raison d'inquiétudes médicales ou religieuses. J'aimerais remercier mes commettants encore une fois d'avoir pris le temps de m'écrire sur cette question très importante et de demander au gouvernement de répondre aux inquiétudes de mes commettants sur le manque de soins de palliatifs de qualité ici en Ontario. Merci. Je remercie les députés pour leur déclaration. Je voudrais ajouter un petit message, si vous me permettez. Vous tous êtes au courant
du marathon de Boston, eh bien, l'une des personnes de Brantford, Christine Duchesne, à 41 ans, est arrivée en troisième place dans la division des femmes. Elle vient de Brantford et elle a dédié sa course à la vie des jeunes de Humboldt qui ont été perdus. Elle a montré beaucoup de passion, de détermination et l'amour de ce qu'elle fait, comme on ne l'a jamais vu. Elle est une excellente athlète, une excellente femme, excellente mère, excellente femme, et elle porte vraiment la plaque et les trois vis dans sa hanche qui lui montre que tout est possible. Je félicite Christine. Nous sommes tous fiers de vous. Merci de votre indulgence. Rapport de comité.